fonctionne. Comment ça se passe? Ça travaille dans la deuxième housse. Lors de la visite précédente, j'ai observé une rupture de ponte. La priorité est donc de vérifier que la ponte a repris, que tout va bien avec la reine. Lorsque j'ai des ruptures de ponte comme ça, je n'ai pas nécessairement de signaux qui me disent qu'il y a eu un essaimage ou la reine est morte. Donc je me dis que s'il y a de la place, parce que Elisabeth qui travaille là, s'il y a de la place, la reine va repondre. Et s'il y a un souci, j'introduis un cadre de ponte récent, histoire de pallier à un problème qui pourrait y avoir avec la reine. Ça c'est très lourd. C'est rempli de miel. Oui, ça c'est lourd, ça pèse plusieurs kilos. Vous voyez, il est tout rempli. Pas de pont. Un peu plus léger. Non. Alors, on arrive au cadre justement que j'ai ajouté avec les œufs. Avec du couvain ouvert qui doit normalement permettre aux abeilles, s'il n'y a plus de reine dans la ruche, donc de créer une nouvelle reine. Oui. C'est intriguant. La colonie me dit les œufs, on va les élever, ça va faire des abeilles ouvrières, très bien. Ce que vous avez vu, c'était du couvain fermé, d'accord. Si c'est pareil, peut-être que tout va bien. Que la reine prend son temps. Non, et là-bas non plus, donc je pense qu'on va effectivement réintroduire un nouveau cadre de couvain ouvert. Voilà, j'ai trouvé un cadre ici avec des œufs, des petites larves, donc vraiment de quoi pouvoir, si besoin, élever une nouvelle reine. D'ici une semaine, voire 15 jours, vérification, est-ce qu'il y a une cellule royale, etc. On va poursuivre l'investigation pour essayer de comprendre ce qui se passe avec Sirius et remettre la ruche dans un mode où la reine pond et donc la ruche continue à se développer. Sirius. Là, on va vérifier s'il y a une cellule royale. Ça veut dire sans doute que notre ruche de Sirius est orphelée. S'il n'y a pas de cellule royale, ça veut dire qu'on était dans une situation de rupture de ponte. La cellule que je prends là, c'est le suivant. On va très doucement. Effectivement, il y a une série de. Royale ici, autour, donc les abeilles sont en train de recréer une nouvelle reine. Donc là en haut, vous voyez les renflements, ce sont les cellules royales de sauvetage. Voilà. Dans une semaine, la première reine va naître, dans 3 semaines. Rendez-vous pour la prochaine visite et en espérant que tout se soit bien passé, que la nouvelle reine soit née et qu'elle se remette à pondre. Ah. Salut Sirius. Comment vas-tu? J'ai posé il y a 10 jours un cadre témoin pour évaluer si une reine vierge était occupée à se préparer, on va dire, ou si ça n'avait pas marché, si la ruche était orpheline. Deux options, hein, soit on met de la cellule royale, soit je devrais en principe découvrir des œufs. Pas de cellule royale. Donc, normalement, on devrait avoir un début de ponte quelque part dans la ruche. Là, il n'y a pas de ponte, là non plus. Si les abeilles rendent beaucoup de pollen, c'est peut-être le signe que la ponte a bien repris. Donc, il y a des larves à nourrir. Après, s'il y en a, elles ne sont pas dans cette partie-ci de la ruche.
On va regarder de l'autre côté. Réfléchir à la tenue avec des glaçons à l'intérieur. C'est ici, c'est le cadre témoin. Il n'y a rien. Le fruit va bien, c'est bon. Ici. Non plus, mais un espace libre au milieu, est-ce que c'est bon signe? Non. Nous voilà dans une situation que je voulais éviter. Donc, on va introduire une nouvelle reine, tout simplement. Salut la ruche de Sirius. Sirius ne voulait pas faire sa nouvelle reine toute seule. Nectar et pollen, ça va. Potentiellement on se rapproche de la fonte. On voit des œufs. L'introduction a réussi. Ok, la machine est relancée. Bonne nouvelle. Le stress de l'absence de reine a disparu. Donc on a vraiment une colonie qui est en train de se requinquer. Donc de la ponte sur trois cadres, c'est petit encore. Donc d'ici les 3 semaines, on devrait avoir une ponte plus conséquente encore. Et donc une colonie qui s'oriente très très bien. Voilà, on a la ponte. La ponte au milieu du pollen, très joli. Ok, voici un premier cadre de ponte. Très belle ponte. Infirmé, superbe. Alors, voilà la reine qui est très belle. Je vous la montre pas de trop près. Ok, donc la reine est là et c'est très bien. Et elle pond, ce qui est encore mieux. Ici, oh, tout pondu, tout des œufs, c'est très joli. Un petit peu de couve infirmée et là, tout des œufs, complètement fondu. Encore une fois, je ne vous montre pas de tout près, mais on a des petits grains de riz à l'intérieur de chaque alvéole. Un cinquième peut-être ? Non, ça c'est pas de la plante. Voilà, ce sont des réserves. On voit une colonie plus stable, plus équilibrée, vous voyez, plus calme aussi. Et une grosse réserve aussi. Donc, 4 cadres de plantes pour le moment. On a Sirius en juillet, c'est bien. Beaucoup plus de stabilité par rapport à le petit couac que l'on a connu, le petit réhockey. Fécondations qui ne sont pas bien passées. Et ici, à la clé, une hausse que les abeilles remplissent progressivement. Voilà, j'en profite pour saluer toute l'équipe de CEDO. J'espère qu'on aura le plaisir de se voir en septembre. La ruche de Sirius, on est bien parti, comme Régulus, comme Vénus. Donc des ruches qui partent dans le bon sens, qui évoluent bien vers l'hiver, et puis qui profitent de ce mois de juillet, et des grosses floraisons qui restent encore, dont on peut profiter tous ensemble. Voilà, je vous dis à très bientôt.